Attendre qu'il soit électrocuté, électrifié en fait. Genre là, enfin avant là. Ok, ça marche. J'ai pas de... Pas de vie quoi. Juste pour me régénérer en fait. Je peux pas me protéger rien. Deux vagues. J'ai crevé.
tiens. Il n'y a pas vraiment besoin qu'il ouvre sa gueule, je crois. Quand il est électrifié, les machins sont attirés vers lui. Sois prêt à baisser la grue à mon signal. J'allais éclater la tête avec le cristal. Je sais pas comment elle fonctionne. Je ne veux pas le savoir. Fais-le. Merde. Putain, bon. Le dernier cristal, tu le gardes. D'augmenter cette attaque.
Ah, c'est énorme. Genre le mec. Ah, c'est juste un dimanche. Un dimanche comme les autres. Et toi ? Ah, ça alors ? Mais personne n'avait tué de dragon depuis des siècles. Pas depuis la grande chasse au ver. Et si je ne m'abuse, tu as fait tout ça pour moi. Tu te trompes. Le dragon était sur mon chemin, rien de plus. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu m'as sauvé la vie. Et ça, ça mérite une récompense. Qu'est-ce que c'est ? Des flèches de gui tressées, plus droites qu'Emdal et parfaitement équilibrées. Des flèches de quoi ? Merci. Ah, je vois. Non, attends. Non, pas ça. Vous avez revu mon frère ? Oui, il a dit que t'avais perdu ton talent. Oh, et que je suis égoïste ? Non, j'imagine que je me soucie de l'esthétique des armes. Non, plutôt que de leur efficacité. Que je suis prétentieux ! Non, et obtus, maniaque, je sais ce qu'il pense, mais je me fiche de ses insultes. Ah ! Brûlez ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, ah, non, on va peut-être pouvoir détruire les cristaux avec les flèches. J'ai une meilleure idée. Laquelle ? Il me faut une dent de ce dragon. Tu veux pas nous crafter une armure ? Ou une arme ? Genre comme dans tous les RPG ? Tu veux pas nous faire ça ? Père vient de terrasser un dragon, je n'ai jamais vu un combat aussi épique. Je savais bien qu'il était fort, mais cette créature était gigantesque. D'accord, on s'appelait... Il s'appelait quelque chose. Ça veut dire terreur. Apparemment, ça lui allait bien. Attention en prenant cette... Oh, trop tard. Elle massacre. Oh, mais c'est une catastrophe. Oh, oh l'odeur. Parfait, ça devrait le faire. Oh. Ouais, pas question de toucher ça. Simplement, tiens-la pour moi. Maintenant, frotte-la contre la corde de l'arc de ton fils. Ah si, c'est ça. Fais-moi confiance. Si, si, on va pouvoir détruire les trucs. Atreus, ton arc. Je crois que c'est ça. On a le pouvoir maintenant. Deux passages devraient suffire. Oh ouais, tout doux. Flèche électrique, vous avez obtenu des flèches électriques lancées sur les cristaux de fragmentation pour détruire les obstacles en sève d'arbres monde à proximité. Oh, on va devoir retourner sur nos pas et tout refaire. Oh, c'est horrible. Putain. Wow. Ah, bien sûr, maintenant je t'impressionne. Oh, comment pourrais-je l'expliquer ? J'ai ajouté un... Oh, je vois que tu as déjà tout compris, alors c'est parfait. Je n'expliquais pas seulement la finesse et la complexité de mon artisanat. Non, non. Je suis à votre service. Oui. Ça va, gamin. C'est un feu d'artifice, le gosse. Allez. Où est-ce que t'as appris à faire ça, Sindri ? Eh bien, quand Brock et moi nous nous sommes séparés, j'ai étudié à Vanaheim. Ça m'a ouvert l'esprit. De temps à autre, j'ai besoin de nouvelles sources d'inspiration. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché avec mon frère. Il est prisonnier de ses habitudes, alors notre travail stagnait. Soit, nous étions des armuriers hors pair, mais ensuite, le changement fait partie de la vie. Si tu ne sais pas t'adapter et évoluer, tu finis aux oubliettes. On peut augmenter ça, cool. Et c'est ça, les oubliettes. D'accord. À bientôt. Je pense qu'on va l'augmenter, ça. Ouais, non, c'est vachement bien. C'est celui-là qu'on avait récupéré, là, de la... des rois nains. Ah, il est cool, le sac du nain. Pierre de résurrection supplémentaire. Une grande partie de sa vie. Ok.
J'espère que je ne précipite pas ton départ. Attends, d'abord, compétences. Ah merde, on a débloqué ça. Alors, d'abord le gosse, c'est plus intéressant. On peut électrocuter, ça fait des dégâts, ça paralyse. Ok, donc ça c'est juste pour faire des dégâts. Ah, fait chier, va falloir switcher entre les flèches en fait. Personnellement, j'aime pas faire ça. Ça, ça peut être intéressant, l'électricité qui se... qui va d'un mec à l'autre. Changer de posture en marquant une pause après une attaque à la hache Léviathan. Une fois dans une nouvelle posture, puis sur... C'est pas top. Augmente le nombre de cibles, ça aussi c'est pas top. À main nue visée, appuyez sur 1 pour rappeler instantanément la hache Léviathan effectue une puissante attaque tournoyante. Ça à la limite, ouais. Ah, j'aurais pas dû utiliser tout mon... Enfin, c'est pas grave. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien parce que des fois, quand je suis à main nue et que je dois récupérer ma hache, il faut que je la fasse venir d'abord et tout. Donc, à la limite, ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est sympa, ça. Attends, faut lui parler d'abord. Oh bien, ça ne fait rien. Hein. Oh, une dernière chose. Faites particulièrement attention près du pic. Je suis presque sûr qu'Odin protège quelque chose là-haut. Et mieux vaut éviter de s'attirer des foudres des As. Qui ? Nous ? Ah, que désires-tu ? On va attendre pour ça, je crois. Ouais, on va attendre pour ça. Pour cette armure-là. Ça protège de tous les éléments, donc c'est cool. L'avant-bras. Non, l'avant-bras, on a toujours mieux, je pense. Et là aussi, ouais. Notre équipement est bon. On va augmenter ça par contre. On n'a pas d'alliage machin. Ou pas. Pensez à vous laver les mains. Deuxième rune. Voilà. On y va. Il n'y a pas si longtemps, on chassait encore le cerf. Depuis, on a combattu des elfes obscurs, des trolls, des ogres et un dragon. J'ai l'impression qu'on est devenu invincible. Nous gagnons parce que nous sommes déterminés, disciplinés, pas parce que nous sommes supérieurs. Oui, je sais. Seulement, c'est bon de se sentir fort, tu sais. Oui, je sais.
Pourquoi on avait affaire à ça. Oui, mais ça, ils possèdent. Oui, mais ça, on les avait déjà vus. Ah, je pense que, en fait, les monstres qu'on a en... Je crois que j'avais lu comme ça un truc. Les monstres qu'on a en God of War, en fait... Je me demande si on peut trouver un autre cristal à utiliser sur ses racines. ...sont... Genre, le positionnement des monstres est tout repensé. Et je pense que les cauchemars là qui possèdent les gens, on devait les rencontrer juste maintenant et pas avant. Je crois que c'est ça. Mais moi et ça. Et voilà. Tu veux que je le brise? Moi ça fait longtemps qu'on les voit. Ah ces ça trucs. Commence à me plaire. Mais c'est bizarre. Celui-là a pas vraiment explosé. Ah. Le cristal. Je l'ai touché mais il brille à nouveau. Ah moi. Merde. Il est où l'autre? Je sais pas. On l'ajoute à la collection. Apparemment ils sont bien électrocutés, c'est cool. Ah mais ça va me rendre fou de devoir switcher de flèches comme ça. Oh, j'aime pas faire ça par contre. Le possédé, ouais, il avait deux éléments. C'est parce qu'on l'avait électrocuté, je crois, et C'est parti. Arrête la rage. Alors, testons un peu. C'est mal. Une bonne chose de faite. Non. C'est pas mal. Le problème, c'est quand on va commencer. J'aurais dû prendre l'expérience. Quoi. C'est quand on va commencer à combattre énormément d'ennemis différents. Là, on va en chier. Je vais devoir gérer le gamin et Kratos. Ça va être cool. On va rire. Bonjour. Je peux balancer les la sève pendant qu'ils sont électrocutés en fait. Je crois que c'est ça. Utiliser une pierre pour ça quand même.
là, c'était con là. Bon, apparemment, ça a pas explosé le morceau de sève. Je pense pas qu'on puisse l'utiliser en combat, en fait. Ou alors faut le tirer et après. Enfin, faut l'envoyer sur l'ennemi et puis faut qu'il tire. Je sais pas. Ah oh, merde, okay. Il y a un truc à ma droite, non? Ouais. Roma ! Il faut trouver un moyen de baisser ce pont. C'est sûrement comme ça qu'on sortira d'ici. C'est ça. Ça, on l'envoie sur la sève, ça se colle. Encore un de ce côté. Salut, ouais la difficulté, ça va. Maman a essayé de me raconter son histoire, mais je crois que j'étais trop petit. Là on est bon là. Ce sont des géants qui sortent de ses aisselles. Yeah. Je crois que c'est Odin qui le poignarde. De là du mythe. Ça se passe bien, la difficulté. Enfin, le début, c'est toujours le début qui est dur. Après, maintenant ça va, c'est pas horrible. Il y a des moments où c'est qu'on recommence, mais sinon ça va, ça se passe bien. C'est quoi ça? Le pire, ouais, c'était vraiment le début. Des fois, je passais 30 minutes sur un... 45 minutes sur le même endroit, mais maintenant, ça va. Il nous en faut deux encore. On va devoir sûrement abaisser le pont en premier. Alors, comment on abaisse le pont? Maintenant c'est coincé de l'autre côté. Je ne me laisserai jamais briser des choses comme ça. Ouvre l'œil, gamin. Ouvre par l'autre. Du coup même le loup, il est élémentaire. J'ai fait le con. Non, non, pas de pierre, quand même. Après, il y a un truc, c'est... Il y a pas mal de one-shot en God of War. Donc ça te demande de recommencer tout le temps, en fait. Enfin, pas tout le temps, mais...
Une bonne partie. Projets sont rapides. Oh, ça étourdit pas, j'ai remarqué. Bah des fois en fait on est un peu obligé de jouer distance avec la hache. Parce que les trucs font tellement mal. Mais bon, maintenant je commence à avoir pas mal d'habilités et d'attaques runiques qui sont intéressantes. Par où on passe? Qu'est-ce qu'on fait? On est toujours à la recherche des trucs. C'est bon à savoir. Des glyphes là, des runes. C'est bon, t'as fini, gamin? Je vais voir de ce côté. Ah là. Une. Un peu d'expérience. Oh, qu'est-ce que... What? Là. Merde, il est pas mort ce con. Ah, il est mort. Bien joué, les gamins. Maintenant c'est un peu plus simple avec la rage. C'est quand même beaucoup plus simple avec la rage maintenant. J'ai une rune qui permet de l'augmenter assez souvent, etc. Donc je peux me mettre en rage beaucoup plus souvent qu'avant. Avant c'était... La rage, je le prenais comme... genre le truc de dernier recours, ou alors s'il y avait plusieurs ennemis à tuer.
je la déclenchais, etc. Maintenant, je la déclenche quasiment à tous les combats, donc ça va, c'est cool. Me dis pas où aller, gamin. Il fait un peu plus froid. On doit être près du sommet. Ce sera plus long, merde. Oh, on est presque au sommet. Regarde, le sommet. Non, on est au sommet. On en est si près. Ton carquois. La lanière a cassé quand on a affronté le dragon. Ça fait rien, tu peux me tenir. Arrête. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Un carquois brisé ralentirait tes tirs. On tolère la douleur, mais pas les armes défectueuses. Ça ira pour l'instant. C'est bon? Parfait. Vas-y. Oh. Doucement. Regarde où tu mets les pieds. Oui, parce que d'abord, on regarde aux alentours. La neige est cool. Ah, la neige est super cool. Ah, mais... Parti. Ah merde. Voilà. Maintenant, c'est quand même un peu plus simple. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh la vache. Oh la vache. Suivant. Pas d'objet parce que là putain on n'arrive pas à voir les lumières. Mais je pense qu'on est bon. Papa Kratos, c'est ça. C'est même pas fait toucher une fois, quoi, putain. Bonjour. Merci. Viens ici, gamin. On sait toujours pas comment enlever ça, par contre. Peut-être plus tard. On doit pouvoir monter. Toi aussi t'entends ces voix, pas vrai? Oui, ne fais pas de bruit. Pourquoi y a pas d'avalanche? Vu les coups. C'est vrai que Kratos il pourrait la détruire là. On dirait l'homme qui était venu chez nous. Tu disais l'avoir tué. Chut. Je vois que tu n'es pas seul cette fois. Ce doit être important que les fils de Thordaigne m'honorer de leur présence. Dites-moi, vous vous disputez toujours les faveurs de papa? L'homme au tatouage. Les traces indiquent qu'il voyage désormais avec un enfant. Où se dirige-t-il? Comment le saurais-je?
Tu es l'homme le plus intelligent qui vive, n'est-ce pas? C'est un arbre. Et plus intelligent aussi que tous ceux qui sont morts. Si tu m'aides, je t'aiderai. Dis-moi où ils sont et je parlerai à Odin. Ton père ne me laissera jamais partir, Baldur. Et il ne te laissera pas me tuer. Il est mort, lui. Tu n'as rien à m'offrir. Alors, remballe tes questions, tes menaces et ces deux bons à rien, et va aux enfers. Quand personne ne regardera, on viendra prendre ton autre œil. Ne l'oublie pas. Nous sommes partout. Je sais pas ce qui se passe. Frère. Le verre des dieux, le fils d'Odin, le frère de Thor. Il est venu chez nous et a affronté Père, qui l'a tué. Du moins, on le croyait. On dit qu'il sent pas la douleur de Trac. Avec ses neveux, sans qu'on sache pourquoi. Donc, c'est Baldur, son nom.